Salut tout le monde, c'est Jean-Bloc et on se retrouve pour cet épisode 10 du Let's Play d'Uncharted. Et on est au poste de douane, en quelque sorte. Donc on va poursuivre. Tant bien que mal cette mission. Toujours scruter les environs, si t'as pas un petit truc à récupérer comme un trésor, ou voir même une arme. Cinématique. Wow. Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Hé, hey, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza. Provenance, Callao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle? T'es pas qu'un simple pilleur de tombe, en fait. Juste là, statue d'or. Poids, 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça. Waouh. Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Page blanche. Il n'y a plus rien après. C'est quelqu'un de spécial? Quoi? Ah. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque port. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai en quelque sorte hérité. Sic parvis magna? La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Regarde la date. 29 janvier 1596. Un jour après sa mort supposée. Attends, c'est quoi ces chiffres juste là? Des coordonnées. Juste au large de Panama. Oh, c'est comme ça que t'as trouvé le cercueil? Ouais, exactement. Tu vois, Drake a laissé cet indice pour indiquer l'endroit exact de sa dépouille. Pour que quelqu'un d'assez intelligent le découvre. Ouais, bien tenté. Mais on va quand même prendre ce bateau. Ah, j'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas plus d'Eldorado. D'accord. J'aurais cru que c'était déjà la fin, j'aurais dit non, oh, oh, vous abusez là, on venait juste de rentrer dans le truc là. Bon. On va monter là. Je la vois. Putain, mais... T'as des mecs qui sont toujours là, hein. Franchement, là... Mais putain, je croyais que je l'avais tué. Là, je l'ai tué. Voilà. Récupère la grenade. Récupère. Les munitions qui traînent. On va passer par l'autre escalier plutôt. C'est plus marrant. Tiens, pas. Quand je disais c'est plus marrant.
Alors, y a rien. Oh. Espérons que ça va pas se refermer aussi rapidement. Ah. Je vois pas de bateau, Nate. On dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà. De l'autre côté du port. Allez. Eh, tu sais quoi? Pourquoi j'attendrais pas ici que tu... que tu reviennes me chercher? Ok, qu'est-ce que tu mijotes? Mais rien! Je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je ferai gaffe. Bon, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage. Dans tous les sens du terme. Ah oui. Éclatons la serrure. Il est triplé. Hein? Non! Pourquoi ça arrive que moi? Cool. Hein? Je vais faire comment pour entrer moi? J'ai rien dit. Non! Boulet, boulet! Ça commence... évite d'être... Non! Putain, je saoule. Allez. Mais... Putain! Là.
Oui, je sais. Mais non, mais c'est impossible! Tu fais comment pour y aller? Quel indice? Mais l'indice de quoi? Il n'y a plus de porte. Je peux pas sauter apparemment. Il n'y a pas de porte. Alors là, je comprends pas du tout. C'est vraiment le jeu en mode what the fuck, le truc qui va te niquer ton temps. Pourquoi il jette une grenade? Il pourra jamais me toucher. Con lui aussi. Mais je veux bien, mais... Mais je fais quoi là? Mais il est casse-couille le jeu, sérieux? Ouais, d'accord, je meurs comme ça. Merci. What else? Je suis désolé, mais ça me gonfle, quoi. Franchement, putain... Bon, ouais. Ok.
D'accord. L'indice me dit de viser. Mais viser, je suis d'accord, mais sur quoi? Les réflexions, la One Again Beast to Fly. D'accord, c'est en plus c'était la fin de l'épisode. Bref. J'espère que cet épisode numéro 10 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter la vidéo, à la partager, à lire la description. Il y a des liens très utiles comme mon site web, la playlist du let's play au complet, il y a mon Twitter, mon Facebook, mon Ask. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, regardez les précédents épisodes si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.